Bonjour, bonjour, bonjour. Ah, allez, j'ai même pas le temps de faire. La connexion est lente. Bonjour à tous, piratage et le direct. Véro, Véro, comment vas-tu? Ah, Véro, comment vas-tu? Véronica Mars, la star de d'Avignon. Célèbre star d'Avignon. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous, voilà, c'est l'anniversaire de ma grando aujourd'hui, Adama, et non, célèbre l'anniversaire de ma grande soeur, et non, célèbre l'anniversaire de ma grande soeur, Ongo travaille, on célèbre son anniversaire, les jaloux au lac, les jaloux au lac, bonjour, super, tant mieux, les jaloux au lac, la fille de maman Anna vous salue. La publicité de ça. Oh, merci pour la pub. Hein. La pub, elle était trop belle. La pub fut belle. Très belle publicité. Voilà. Que ça déplaise. Je ne marche pas comme vous voulez sur Meta. Je fais ce que je veux sur Meta. C'est comme ça et pas autrement. Merci pour la publicité. Je reste et je demeure la fille de maman Anna, la petite soeur de la légende. Vous auriez mal. Et ça ne chauffe pas. C'est son anniversaire aujourd'hui. Ah, ma grande chou. On te célèbre. Oui, on te célèbre aujourd'hui chez les beauty. Partagez le direct et connectez-vous, s'il vous plaît. On te célèbre aujourd'hui chez nous. Voilà, nous ne sommes pas des paresseuses. Nous ne sommes pas des paresseuses. Donc, on va te célèbre. Donc, comme je disais tantôt, même pas d'un yotas, la blague beauty a bougé. L'amour, c'est l'amour. L'amour qu'on peut avoir pour une maman, on ne peut pas l'enlever. Et l'amour qu'on peut avoir pour sa mère, on ne peut pas l'enlever. Et c'est comme ça. Et je choisis. Et je fais ce que je veux. Hein? Vous êtes en retard sur mes temps. Hein? Vous êtes trop en retard. Vous savez que la toile, sans vous mentir, le japon, tout ça, c'est quelque chose que je n'aimais pas. C'est quelque chose que je ne comprenais pas, au fait. Je ne m'intéressais pas à Facebook à l'époque. Bonjour, c'est comment? J'espère que tu vas bien. Ben, Sandrine, je vais super bien, ça se voit. La paix, c'est l'anniversaire de ma grande soeur, la légende, la digne fille de notre mère. C'est ça qui est ça. J'ai dit et j'ai réitéré, je suis la fille de maman Anna et je reste comme ça. Ça ne va rien changer au petit gna gna gna. Moi, je m'en fous de ça. Je m'en fous de ça. Vous avez vu que quelqu'un colle chewing-gum? Vous allez souffrir de voir que je suis collée à gripper. Voilà. Et ça ne va rien modifier ni rien changer. Donc, vomissez, crachez. Donc, je disais tantôt que je suis arrivée, je ne mets pas Facebook, je ne suivais pas vraiment Facebook. Je dis encore que Facebook, c'était en passant. Et même quand je disais en passant, c'était à cœur ouvert de Tata Lolo que je regardais sur Meta.
C'était la seule chose. Donc, tout ce qui était Jabab, tout ça, je connaissais rien, je comprenais rien. Je n'avais aucune idée de... Voilà. Mais par contre, mes soeurs, elles étaient à fond dedans. Et toutes étaient seulement que Fleur de Lys. Fleur de Lys, j'ai dit, ah, c'est quelle histoire ça là est. J'ai dit que, mais, on dit que, Nangala, mais quel jeune sur la toile, elle parle que des trucs, un genre sauvage, un genre, mais pourquoi vous êtes toujours à fond derrière elle? Un jour, ma soeur me dit que, dis donc, toi-même, concentre-toi, tu essaies de suivre la dame là, et puis tu vas voir. Il dit non, même comme ça là, ça ne passait pas. Ça ne passait pas. Donc, je restais moi toujours dans mon truc. En passant, je vois le local à voir en ligne, je parle, je partage, je dis qu'il fait ceci. Au fait, je commande, partager, mais est-ce que ça fait même trop les histoires de partage? Non. C'est au fur et à mesure, au fil du temps, que j'ai commencé à dire que quand je décide alors de vraiment m'intéresser à Facebook, c'est vraiment quand. Et la reine Mébio vit ici et que bon voilà, dans les discussions on se voit et puis après je me dis ok, je comprends pas trop des choses, je dis hey, ok, c'est comme ça que j'ai créé ma page et voilà aujourd'hui je suis dans le Japon. Oui, c'est comme ça. Ce que j'aimerais vous faire comprendre, c'est quoi? C'est que nous avons tous un passé. Eh Seigneur, l'embouteillage de quoi le matin comme ça à peine? Nous avons tous un passé. Mais aujourd'hui là, on célèbre cette grande dame parce que beaucoup de personnes ont vu son parcours. Beaucoup de personnes connaissaient tout son parcours sur la toile. Moi, je ne vous apprends rien parce que parmi vous qui me regardez là, je vois 8 personnes connectées. Mais parmi vous, il y a des personnes qui suivent ma Fleur de Lys depuis très longtemps. Donc, vous connaissez mieux son parcours que moi. Et je vous dis encore que je viens de voir une vidéo, parce que quand j'ai cherché un peu, vous savez, quand elle fait ses entrées dans la salle, elle a sa musique là, que quand on met, c'est ça qui fait pour l'annoncer. Je regardais une de ses musiques et j'étais en train de réagir. J'ai mis ça, on va mettre ça après. Mais j'apprends vraiment à la connaître au moment où des clashs se mettent. Oui. C'est à ce moment-là que j'apprends. Quand le jour où on part, je pars chez Warriors. Je dis toujours, le jour où je pars dans le direct de Warriors, qu'elle allait rendre visite à Warriors. Après la sortie de l'hôpital de Warriors, qu'on l'avait opéré. C'est en ce moment-là que moi, je passe sur le mur là-bas. Warriors, comme j'étais bien avec Warriors, on commande, je commente les abeilles, mais sur, dès que j'écris, on me lave. Dès que j'écris, on me lave. J'ai dit, hé, hey, pétard. Alors quand je me lève, je dis bon, je ne sais pas, je crois le jour là, il y a la coucou Matnadine et Wande, bonjour ma grande, ma sisto, ma tata de cœur. C'est alors ce jour là quand, il y a quoi? Oh là là, il faut faire demi-tour là, vous savez que le monsieur s'est à tout rester dans la file. Oh, j'aime pas ça. Nous allons tous faire macharia alors. Nous allons tous faire demi-tour. C'est que moi, ce moment, fait comme d'autres. Dans le salon, en ce moment-là, où, comme le jour-là, il devait avoir un grand clash entre Stella qui devait venir verser l'affaire de trucs là et Yenga, machin et tout. Je vois comment elles disent que partez là-bas, on part tous là-bas. Mince, j'écris en bas que ouais, faites la paix avec votre soeur, la paix. S'il vous plaît, faites la paix, arrêtez de. Maman les insultes de ça. C'est alors comme ça ce jour-là. Je ne sais pas, c'est comme ça qu'elle m'a touchée. C'est ce jour-là où est parti le déclic. Parce que j'avais vu
Le geste qu'elle avait fait, ça m'avait parlé au fait. Comme on dit, il faut pas beaucoup. Il faut seulement parfois des petits gestes comme ça qui viennent. Puisque je voyais que Wario c'était seule, elle sortait de l'hôpital, elle était, il n'y avait personne, mais elle a pris la peine, elle est allée chez Wario's. Je crois qu'elle avait même préparé, je ne sais plus, mais bon, bref. Elle est partie quand même l'assister, pourtant il n'y avait pas de Wario's, elle était seule chez elle. Ça m'a fait un pansement au cœur. Elle me disait même que viens. Après ça, je ne suis pas partie. Parce que je ne suis pas partie, pas parce que j'avais peur, mais je ne suis pas partie parce que j'étais déjà couchée. Et des gens disent que oh, je lisais les commentaires. Parfois les commentaires. Oh, ma Nadine d'amour. Les commentaires. Si tu lis les commentaires, bien quoi, ça dit que oh, c'est beau la belle. Est-ce qu'elle peut avoir le courage? Elle peut avoir le courage d'aller là-bas, nanana et tout. Je dis ok. Donc, cet épisode est passé. Au fur et à mesure, j'observais. Au fur et à mesure, je recevais des insultes. Au fur et à mesure, wow. C'était comme ça. Des moqueries, des ceci, tu forces. Maintenant, on voit, elle veut partir chez les abeilles. Maintenant, c'est le tourbillonnage. C'est monté, c'est descendu. Seigneur Adama. De l'as. Coucou Marie Estelle, comment vas-tu ma grande, ma princesse? Les beautés brutes. Oh, c'est monté, oh, c'est descendu. Je dis, ah putain. Adama, il n'y a pas de souci. Et c'était un problème. J'ai reçu, oui. Donc, quand l'épisode la passe, je suis sur mes tâches. Je commence à aller dans ces directs. Hein. Je pars, je commande parfois. Parfois, je dis bonjour. Parfois, elle va répondre. Parfois, elle ne répond pas. Et comme elle voyait aussi qu'à un moment donné, même j'étais attaquée. Donc, des gens, on me lavait de partout. Même ma cousine me lavait. Ah! On me dit, oh, septième génération. Oh, c'est si cela, elle avait même pitié de moi. Elle dit, Seigneur, blanc poussio. Moi, je suis venue. Elle dit que la toile, c'est à l'heure. Sinon, c'est la chimamelu. C'est la dimension. On n'est sauf que dedans. Hein, et puis, on va supporter. Quand ça se passait, puisque après j'avais déjà fait ma demande, j'avais dit que j'étais électron libre, j'avais déjà, merci pour les cœurs ma grande, merci, sécurisant le direct. J'avais dit que j'étais électron libre et que voilà, je faisais mes choses comme je voulais, je m'en foutais, je mettais ce que je voulais sur mon mur. Chemin faisant, il y avait l'anniversaire du monsieur qui gère le Nubel. Le gourou, c'était son anniversaire. J'ai une de mes soeurs, une de mes petites, qui était invitée. Elle m'a dit, toi, tu aimes trop rester à la maison. Quand on te dit qu'on sort, tu ne veux pas. Allons ensemble. Elle dit, ouais. Elle me dit qu'on paye. C'est alors comme ça. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Merci, ma Esther Ange, ma Marie Lancôme, la célébrissime. C'est comme ça que je me lève, alors on go là-bas, on arrive là-bas. Dans la joie, l'ambiance, je croise ma cousine. Après, je suis dans mon coin, je la vois à distance, elle était assise. Elle était entourée de ces gens, j'ai dit ok. Après, à un moment donné, voilà aussi ma faute qui entre avec ces personnes, ils étaient assis là-bas. Elles étaient devant nous comme ça là. La danse, le show. Au moment de la coupure du gâteau. Comme ça, alors que. Non, elle était même d'abord avec ma cousine quand j'allais saluer ma cousine. Mais elle n'a pas su que c'était moi. C'est quand on coupe le gâteau, elle se retourne, je me retourne. Et je dis, on se salue. Et c'est comme ça qu'on s'embrasse, on fait une petite vidéo, on pose. Hey! Maman mia, il dit quand même, la madre civile tenait sortie sur moi que wow, elle dit caca. Elle sait gérer ça. Oh la mise en Dieu, oh c'est monté, oh c'est descendu, oh la fila, oh la médicule, oh c'est. Hey, black pussy, oh le djangi de ça, oh. Est-ce que moi je gérais ça? Était seulement la quai. Ma part, j'ai fini. Et même le jour là, il y a quelqu'un qui lui a dit que maintenant, papa l'angala, l'angala, il a dit que Akali s'est tombé. Laisse tomber. Elle est passée à autre chose. Voilà, c'est pour vous dire que la rancune.
Nous tous, nous faisons le sale suméta. Oui. Mais la rancune a dit que parce que quelqu'un m'a dit mouf, c'est monté. Et comme j'avais déjà fait présenter mes excuses, si bien que souvent j'allais dans ces directs et qu'il lui arrivait souvent de me dire bonjour, donc forcément, ce n'était pas trop un problème au fait. Elle a dit, Aka, laisse, c'est pas grave. Je crois qu'elle avait raconté ça, vite fait comme ça en passant. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça que nous sommes comme nous sommes aujourd'hui sur la toile et que vous voyez. Et que vous voyez tout ce qui est en train de se passer et comment nous sommes sur la toile. Donc forcément, cette rencontre a été faite au hasard. Parce que beaucoup de personnes ont dit que oui, elle savait, elle est partie là-bas parce qu'elle voulait que non. Non. Je suis partie parce que je partais m'amuser. J'allais avec ma soeur qui a été invitée. Et je me suis dit, bon ben, voilà. Il y a quoi? Il n'y a rien. Donc, ma fouflore de Lille, c'est quoi? C'est une dame qui arrive sur la toile avec son énergie. À l'époque, d'après l'histoire, moi je relate l'histoire comme je sais. Hein. Peut-être vous connaissez mieux que moi, vous allez peut-être me modifier. Qui a commencé chez Warman. À l'époque, elle faisait que des vidéos, elle postait. Et puis des gens commentaient. Des gens mettaient des j'aime, des cœurs et tout ça. Et après, au fur et à mesure, quand il y a eu Facebook, quand on a commencé à faire des vidéos sur Facebook, c'est comme ça qu'elle fait son apparition sur Facebook. Avec l'histoire de Michel, ça va en prix. De temps en temps, il y a des situations, c'est compliqué. Il y a des gays, il y a des ceci, il y a des clashs, il y a ça. Donc voilà, c'est un peu ça qui se passe sur Meta. Elle arrive, elle commence à parler un peu d'esprit, de sexualité. Des gens sont timides, certaines personnes ne sont pas d'accord, d'autres trouvent que non. C'est pas bien de venir parler de ça, de venir. C'est pourri la jeunesse. D'autres trouvent que non, on peut pas accepter ça. Donc voilà quoi. C'est sur ses combats, elle a mené des combats. Oui, ma grande sœur, la légende, a mené ses combats. C'est ça qui est ça. Mettez les cœurs, pardon. Parce que moi, je ne veux pas que mon direct se coupe. Je n'ai pas envie que ça se coupe. Parfois, j'ai des problèmes de réseau ici, à ce niveau. Donc, elle a mené ses combats et elle a toujours gagné ses combats. On va le dire. Malheureusement, ça n'a pas. Quand tu ne gagnes pas tes combats, ça veut dire qu'à un moment donné, tu plies les bagages et puis tu pars. Si elle est toujours là, ça veut. Et elle a toujours sa place. Oh, la maman au loco. La madre des madres. Voilà, une maman, une reine au grand cœur. Pas c'est-à-dire une mère qui connaît cajoler ses filles. Qui connaît prendre soin de ses enfants que nous sommes. Oui, elle connaît nous donner l'amour là. Derrière comme devant. Et ça ne chauffe pas. Dans 200 combats, 500 victoires. On va dire que ma fouflore de Lille, c'est ça. 200 combats, 500 victoires. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, chemin faisant. Chemin faisant, elle avance tout doucement. Elle avance tout doucement. Tout doucement, elle avance entre les guerres, entre les clashs. Oui, avec mes mamans Nadine. Aïe, maman les matins. Vous connaissez nous aimer, maman. Vous nous donnez l'amour. Donc, quand nous, on vient se mettre comme ça, là, quand on déclare que nous sommes les enfants de, les gens veulent mourir, sans savoir que nous avons tellement de mamans que. Et ça ne nous empêche pas d'aimer nos mamans. C'est comme ça. Donc, elle mène ses combats, elle est là. Les attaques ici, ou les flèches là-bas, ou les entrées ici, ou les sorties là-bas, ou tout ça, c'est fleur de Lille. Oui, elle ne baisse pas la garde. Elle ne baisse pas la garde. Elle dit que le titre de Nomba Unola, personne ne va m'enlever sa sumita. Je reste. Passant de titre de Nomba Uno, elle devient le 9 de Facebook. Passant du 9 de Facebook, elle devient que la légende. La légende.
La légende légendaire. Pourquoi une légende aujourd'hui? Parce que elle a décidé de changer. Elle a décidé d'être une nouvelle personne. Elle a commencé par dire que je suis pour la paix. Je veux la paix. Elle a annoncé au début de l'année 2024 d'être une femme de paix, d'être une artiste, c'est-à-dire artisan de paix. La paix est rien que la paix. Elle a tendu la main à tout le monde, toutes les personnes qui voulaient faire la paix avec elle. Elle leur a dit, faisons la paix, plus de guerre dans le bloc camerounais, on veut que les choses changent, on va être dans la paix, on va être ici, essayez de faire la paix autour de vous. Maman n'a peur de ça. Ma fauflonne. Entre temps, il y a aussi les gens qui disent que zéro paix sur Meta. La paix. Elle est dans son slogan. Et elle a tout fait pour éviter. Elle essaie de tout faire pour rester dans son slogan. Jusqu'à ce que on vienne toucher son intégrité et qu'elle décide de mettre terme. À certaines relations. Voilà. Malheureusement, ainsi va la vie. Donc aujourd'hui, quand on va parler de la Mafouflore de Lille, on ne va pas parler d'elle en tant qu'une femme qui n'a pas un parcours sur Meta. Non. Puisque son histoire, tout le monde la connaît. Tout le monde connaît son parcours. Moi, je ne connais même pas trop bien son parcours, son histoire. Parce que il m'arrive parfois de tomber dans ses directs, quand elle parle un peu de son passé, de sa venue sur Meta, de son arrivée en France, de son mariage, de ceci, de cela, oui. Mais après, je ne pourrais vraiment pas vous relater sa vie comme elle-même, ou comme ses abeilles, ou comme ses fervents abeilles. Vous voyez, donc forcément, je dis le peu que je sais d'elle. On a affaire à une dame aujourd'hui qui est une businesswoman. Une dame, une redoutable femme d'affaires. Partie, on va aussi dire, partie des zéros. Donc, avec toutes les difficultés que la vie entraîne. Et qui est devenue une héroïne. Oui, parce que beaucoup de personnes s'identifient à elle. C'est aussi une dame qui conseille, qui a motivé beaucoup de personnes. Et si aujourd'hui il y a plusieurs personnes qui ont construit, il y a des femmes qui ont investi, il y a des femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, c'est aussi grâce à elle. Elle donne de la joie aussi à ses fans, aux personnes qui sont à ses côtés, des conseils dans le couple, son expérience. Elle partage pas mal de choses. Et quand on regarde son attitude, hey, Seigneur, je sens qu'ici aujourd'hui, là, peut-être que vrai, je vais seulement faire comme les autres. Hein. Je suis même déjà grave en retard. Je sais pas ce qui se passe en fait. Donc, quand on regarde aujourd'hui cette dame et qu'on regarde son parcours, elle est remplisseuse de salles. On attend le 2 novembre avec impatience. On ne sait pas la surprise qu'elle nous relève. Elle est égérie des marques. Elle est femme qui bâtit, qui met des pierres de parpaing, qui achète le ciment, qui réalise. Non, mais dites-moi, comment est-ce qu'on peut célébrer cette dame si ce n'est lui rendre de tels hommages pour que vous puissiez comprendre un peu à quel point la vie peut être ce qu'elle est, mais à un moment donné, on a envie de passer à autre chose. On veut changer. Il y a
beaucoup de personnes qui, dans la colère, dans la haine, dans c'est-à-dire, qui ne veulent pas accepter la vérité, vont te dire que oh, elle ne sera jamais un exemple pour moi, elle n'est pas un modèle à suivre. Voilà, parce qu'ils vont toujours ressortir toutes des choses négatives qu'elle a eu à faire pour pouvoir encore continuer à salir ou rester dans tout ça, dans cet état d'esprit-là. Mais aujourd'hui, on peut dire que ma Fofleur de Lille est un modèle pour beaucoup de personnes. Qu'on le veuille ou pas. Oui, c'est pas l'histoire de. Des gens ont toujours tendance à croire que quand tu apprécies une personne, c'est parce que la personne, tu cherches quelque chose. Maman Regina, oh, bonjour ma Regina d'amour. Ma Regina Chou, bonjour ma princesse. Comment vas-tu? Bonne journée à toi également. Des gens ont tendance à croire que. Si tu as apprécié Jeanne hier, tu ne peux pas apprécier Pierrette. Si tu étais avec, non. Non. Comprenez que le cœur que nous avons, nous tous les êtres humains que nous sommes, on a la possibilité de donner de l'amour et d'aimer plusieurs personnes à la fois. Maintenant, des gens font le choix d'aimer ou de ne pas aimer, de rester sur leur position. Après, c'est un choix. Ça me fait plaisir de te savoir bien. Que tu as bien dormi comme moi. J'espère que vous avez aussi bien dormi. Hein. Donc, on va un peu chauffer la salle parce que c'est elle, hein. C'est tout elle. Hein. C'est ma faute. Et puis, on va chauffer la salle. Hein. On va faire fêter son entrée. Ah, mon truc s'est éteint. Ah, ah, c'est quand la princesse arrive, quand la reine des abeilles, la mère des abeilles. Alors, quand vous voyez une dame, on va rebisser. Quand vous voyez une dame comme ça qui arrive dans la salle, tout le monde se lève, tout le monde crie, tout le monde a envie d'être à côté d'elle. Mais attendez, elle a quelque chose, cette femme. Elle a un truc. C'est comme ça. Elle a quelque chose. Et on n'y peut rien. Il suffit de travailler. Hein. Donc, ma joyeuse anniversaire à toi. Ah, joyeuse anniversaire à toi, ma faux. Mettez joyeux anniversaire, mettez des cœurs pour la mafo, c'est son jour. Va lui souhaiter joyeux anniversaire, c'est son jour. Ne pas investir ton argent quand tu as un CDI, c'est attendre que la pluie remplisse ton verre. C'est son jour. Mettez joyeux anniversaire, coucou. On célèbre la mafo. Je suis pas jaloux, mais qu'est-ce que tu as fait ?
paix, c'est à vous. Et ça ne chauffe pas ma faux. Tu es une belle personne. Voilà, c'est comme ça. Tu es une belle personne. Tu n'es pas rancunière. Tu ne connais pas la rancune. La rancune, là, c'est pas ton truc. Et c'est ça qui fait la femme que tu es. C'est ça qui marque la différence entre toi et les autres. Tu n'es pas rancunière. Tu connais faire la part des choses. Tu ne mélanges pas tout. Moi, c'est ce que je retiens de toi que je dis ici. Hein. Depuis que je t'observe, depuis que j'apprends à te connaître, je vois une femme qui sait faire la part des choses. Une femme qui n'est pas là parce que, bon, voilà, elle est là avec des gens dans le but de... C'est ça être leader, au fait. Un leader, c'est ça, au fait. Hein. C'est-à-dire, c'est ne pas être dans la rancune d'avance. Peu importe ce qui se passe, c'est avoir cette facilité de pardonner et de passer à autre chose. Et elle incarne. Elle incarne ça. Donc, vous comprenez que il y a de quoi, elle va faire beaucoup de jaloux sur la toile, elle va faire beaucoup de jaloux dans sa vie, peut-être réelle, je ne sais pas. Elle va faire des jaloux, au fait. Et c'est normal. Et c'est normal. Des gens comme ça, malheureusement, des gens vont faire semblant. Hein. Faire semblant de les aimer, mais au fond, c'est pas ça. C'est comme ça. Mais reste tel que tu es. Tu as pris ta direction. Tu as décidé d'être dans les événementiels. Tu as fait ta première soirée. On a vu. C'est la deuxième soirée. Mazaria Chou, Mazaria d'amour. Comment vas-tu, ma princesse? Là, c'est ta deuxième soirée. Deuxième édition, l'ouragan. Le 2 novembre. La prestigieuse nuit de l'ambiance, on va venir te soutenir. Voilà. La jalousie, hein, c'est la pire des choses qu'un être humain peut avoir dans son cœur. C'est-à-dire comme caractère. Et la rancune, c'est les deux choses-là. Si tu es rancunier et jaloux, moi, je parle parce qu'il y a des hommes aussi. Voilà. On ne fait pas allusion qu'aux femmes. Et comme c'est le mâle qui domine, si tu es jaloux et rancunier dans ta vie, waouh, c'est dommage. Tu seras moins aimé des gens. Et tu vas vouloir jouer. À chaque fois, tu vas vouloir faire semblant. Tu vas vouloir être... une personne que tu n'es pas, vouloir montrer aux gens que non, tu peux être différent, mais ce côté-là va toujours ressortir. Et des gens vont te fuir. Apprenez à pardonner, parce que nous tous, quand on commet des erreurs, on s'attend à ce qu'on puisse nous pardonner.
Alors, qui sommes-nous pour ne pas pardonner nos frères et sœurs? Voilà ce qu'elle... Voilà une des qualités de Flore. Voilà ce qu'elle est. Et vous voyez que... aujourd'hui, elle est en paix avec tout le monde. Elle n'est pas dans les guéguenjas. Bon, presque tout le monde. Elle n'est pas dans les guéguenjas. Elle est concentrée sur son événement. Et accompagnons-la. On l'accompagne. Mais c'est mort. Hein. Il est à 8h23. Je dois laisser un message. Coucou, ma séchou, je ne sais pas pour toi, mais là, je suis dans les bouchons depuis 7h10. Je ne sais pas ce qui se passe sur la A86. C'est mal bouché, au fait. Je vais arriver à l'heure où je pourrai, hein, tout simplement, parce que là, je ne pourrais rien faire d'autre. Je ne peux pas m'envoler. Nous sommes bloqués. Donc voilà, je voulais juste te prévenir. Tu seras en retard. Bisous là-bas. Donc, voilà, c'était un peu ça, mon petit direct de ce matin. Véronica Mars, pourquoi tu ne souhaites pas les anniversaires à ma faute dans mon direct? Les gens vont aller dire que voilà, elle demande même aux gens. Elle appelle les gens de venir souhaiter les anniversaires. Hein, décrit joyeux anniversaire à ma foi, elle supplie. Elle veut la sympathie des abeilles. Wow, wow, wow. Vous voyez trop les abeilles dans mes directs. Les joies du lundi, je te jure, bébé. Vous les voyez beaucoup verser dans mes directs. Ouais, Seigneur. Ah, la famille est sacrée. Le mariage peut finir. C'est qu'elle n'a pas envie de me la... La famille est sacrée. Le mariage peut finir, maman. On dit que, hé, hey, dehors, pousse-toi là-bas. J'ai fini de célébrer l'anniversaire de ma foi. Donc maintenant, on peut passer à autre chose. Le plus important a été dit au début du live. C'est ça. Comprenez avec quoi? Le plus important a été dit au début du live. Fait un peu frais. Je vais dire merci. Hein. Merci. Hein. Coupez la partie si vous allez dire à Marc La Rose qu'elle lui dit grand merci pour la publicité. Mais ça ne change rien à ce que je suis. Ça ne change rien au fait que je suis la petite soeur de Mafo Fleur de Lille. Ça ne change rien au fait que je suis la fille de maman Anna. Et c'est comme ça et pas autrement. Vous allez effacer ça. Vous n'allez jamais effacer ça sur Meta. Oui. Voilà. Rien ne change. Donc merci pour la publicité. Ok. La différence c'est que moi je suis l'enfant. Toi tu es la baisse. Le mariage peut finir. Et on te vit, on te remplace tout de suite en une fraction de seconde. Mais moi, je suis scotché là. Ouah. Je suis collé. Ma place. Que je taille, que je suis là. Donc, si toi, tu dis, comme tu disais hier dans ton direct, que je m'adresse à vous, les abeilles. Elle vient faire, elle joue à ce jeu parce qu'elle veut gagner votre sympathie. Il y a certaines abeilles qui sont tombées dans le piège. Non. Bien avant ça, il y avait déjà des abeilles qui venaient sur ma page, madame. Ok? Et je vais te dire que tu ne peux pas changer le cœur des gens. Quelqu'un qui veut apprécier une personne, que la personne soit abeille, lolomania, t'es cassé, tout ce que vous voulez comme team sur la toile,
la personne va rester et aimer cette personne. Donc, tu n'es rien pour décider ou pour dire aux gens d'apprécier la Black Beauty, de ne pas apprécier la Black Beauty. Que je dise que je suis l'enfant de ou que je ne le dise pas. Tu n'es rien. Tu te prends trop la tête aux fesses. Ok? Et ma famille restera ma famille. Parce que je ne peux pas changer ma famille. Pour rien au monde. Je dis bien pour rien au monde, je ne peux pas changer ma famille. D'accord? Je ne peux pas changer ma famille et ma mère. Mais j'ai assez d'amour dans mon cœur pour donner à plusieurs mamans. Et je choisis la maman que je célèbre sur Meta. Tu comprends? Vous comprenez? Tu comprends avec quoi? Mais ce qui est bizarre, c'est que tu crois que ce que tu as dit hier, là, dans ton direct ou l'autre jour, c'était nouveau. C'est pas nouveau. Puisque je l'avais déjà dit. Mais tu étais en retard. Le jour où j'ai lavé Bertrand Chic Saumon, là, j'ai parlé de ça, madame. C'est pas un secret, hein. Ah non. D'accord? Mais j'assume ma relation avec mamie Anna. Et je l'ai dit, et ce jour-là, j'ai dit que toutes les mamans qui s'appellent Anne sont mes mamans. Peut-être que tu n'avais pas compris. Hein? Voilà. Donc, l'indice que tu dis que c'est un petit indice, je m'en fous. Je m'en fous de ça jusqu'à demain. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Tu ne peux pas aimer ma mère que moi, ma chérie. Tu ne peux pas aimer ma tante, ma famille, mes gens que moi. C'est impossible parce que tu ne les connais ni d'Adam ni d'Ève. Je fais mon top show sur Meta. En quoi ça vous dérange? En quoi vous aviez mal? Pourquoi je célèbre mamie Anna? Ça vous dérange? Hein? Vous avez mal où? C'est devenu une insulte. Que wow, elle célèbre la mère de Fleur. La mère de Fleur a une seule fille. Mamie Anna a beaucoup d'enfants. Et c'est comme ça et je la célébrerai tout le temps sur Meta. Je fais partie de ses filles. J'ai dit ça. Je dis que même ma faux Fleur de Lille ne va pas enlever ça sur moi. Vous avez compris, non? Voilà. Donc, si vous avez trop mal, c'est votre problème. J'ai choisi ma mère sur Meta et je la célébrerai jusqu'à ce que la terre là s'arrête. Ça va enlever l'amour que j'ai pour ma mère? Ben non. Je ne suis pas là pour dire que l'homonyme, c'est ma mère. Il n'y a pas d'homonyme de mère qui tient, c'est ma mère. La fille de maman Anna, c'est Black Beauty. La petite soeur de ma Fleur de Lune. Donc si tu croyais que tu vas dissuader des abeilles, des vraies abeilles intelligentes qui comprennent, depuis vous êtes sur la toile, qui est venu déclarer que cette maman est sa mère? Bon, supposons que ta matin ne s'appelle pas maman Anna et que moi, la mienne s'appelle maman Anna. Supposons, hein, je prends un point comme ça, ma mère s'appelle maman Anna dans la vraie vie. La tienne ne s'appelle pas maman Anna. Mais est-ce que avec tout l'amour que tu dis que tu as pour ma Fleur de Lille, tu célèbres sa mère? Moi, je la célèbre. De son vivant, je la célèbre. Je la célèbre comme il se doit. Je ne la célèbre pas parce que j'attends quelque chose derrière. Rina Siri. Je la célèbre de son vivant. Je lui fais comprendre que maman, tu n'es pas la seule. Tu n'as pas qu'un enfant. Tu as beaucoup d'enfants et je fais partie de tes enfants. Je t'accepte comme mère dans mon cœur et dans ma vie. Donc, je suis prête à prendre les coups pour toi. C'est ça que toi, tu viens aussi pour dire aux abeilles que non, elle fait ça parce qu'elle veut gagner votre sympathie, sa propre... Mais je m'en fiche, ça ne change rien à l'amour que j'ai pour maman, pour ma mère. Ouais, en force seulement. Ça ne changera rien à l'amour que j'ai pour ma mère. Et ça ne va pas effacer le nom de ma mère dans mon acte et dans ma vie. De quoi parle l'auteur ici? Vous croyez que ça me fait quoi? C'est une insulte. Vous croyez pouvoir m'humilier? Au contraire.
Je suis venue vous trouver sur Meta. Tu aurais pu l'adopter dans ta vie et dans ton cœur. Dis que ouais, alors si moi je suis peut-être orpheline de mère, mais en tant que la belle-sœur de la mère Fofleur de l'île, comme tu le dis, je suis sa BS. Le mariage est fini, mais la famille ne finit pas. Je prends maman Anna, je mets dans mon cœur et je déclare devant tout le monde entier que maman Anna est désormais ma mère. Oh. Mais vous, quand vous voyez et entendez ce que vous voulez entendre, allons seulement. Donc pour toi, tu as trop fait. Merci pour la publicité, ma. Merci. Mais je suis loyale. Quand je dis que je choisis quelqu'un et que je dis que je choisis, surtout en matière de maman, parce que moi, ma vie, là, j'ai toujours été entourée des mamans qui m'ont toujours beaucoup donné d'amour et d'affection. Donc, pour moi, ce n'est pas nouveau. Pour moi, là, ce n'est pas nouveau. Et quand il s'agit de matière de maman, moi, je me suis occupée de mon arrière-grand-mère. J'ai connu mon arrière-grand-mère, j'ai connu ma grand-mère dans ma vie. Donc, c'est des personnes dont je ne joue pas avec eux. Quand je déclare mon amour envers une maman, cet amour là, c'est vrai. C'est pas les amours que ça dit qu'aujourd'hui là, si on me dit que il y a telle chose et que je peux, je cours. Et j'ai choisi mamie Anna Sumeta. Vous avez mal où? Il y a combien de mamans célèbres Sumeta? Dites-moi, vous avez vos stars. Tu dis que tu es ma faux. Oui, pourquoi tu n'as pas validé que mamie Anna aussi, c'est la matière, ta matière. Ma faute, c'est ma belle-sœur, ma belle-sœur. Le mariage est fini, ma. Tu as compris avec quoi? Le jour le mariage finit, on te botte. Mettez les cœurs, s'il vous plaît, sur le tunnel. Quand le mariage est fini, on te botte, on prend une autre homme et des dames. Et quand on va dire à ma faute, que voici ta nouvelle belle-sœur, elle va pas dire que, ah, elle va seulement dire que mon frère, je mets quand même Marc la rose. Mais comme tu as décidé de changer de femme, je fais comment? Je vais suivre. Mais est-ce qu'elle peut alors changer de sœur? Oukoulou! Est-ce qu'elle peut alors changer de sœur? Est-ce qu'elle peut alors dire que Black Beauty, tu n'es plus ma sœur? Elle m'a dit ça quand? Elle m'a dit ça quand? Que Black Beauty, je te rejette. C'est se rejeter elle-même. Donc tu comprends que nous sommes les enfants des mamans Anna. Donc comprends alors que, alors sinon, elle est ma double, elle est ma soeur double. Ouais. Elle est ma soeur du côté de mamie Anna, elle est ma soeur du côté de ma mère. Et ça ne chauffe pas. Tu as compris, Marc Larose, mais ça c'est pour toi. Donc, tu ne peux pas manipuler les gens contre moi. Aujourd'hui, là, non, Sumeta, c'est mort. Parce que tes paroles, là, c'est rien. Parce que tu n'es rien, tu ne dis rien de bon. Et sache que personne n'a peur de personne, Sumeta. Donc, laisse ça. Laisse ce que tu es en train de faire, là. OK? Je t'ai juste demandé que... Je t'ai dit une chose. Fais le décryptage de ce qui se passe sur la toile. Point. D'accord? Voilà. Donc, est-ce que je mange chez les abeilles? Est-ce que les abeilles mangent chez moi? S'ils sont dans mon direct, c'est bien. S'ils ne sont pas dans mon direct, c'est bien. Est-ce que tu m'as vu, je fais les éloges à leur mère tous les jours? Parce qu'ils ont leur maman. Moi, je ne fais pas les éloges à leur mère. Mais je rends hommage à ma mère, à moi que j'ai choisie. Et qui est mamie Anna? Et qui est maman Anna? C'est comme c'est pas autrement. Pardon, mettez les cœurs. Donc, quand tu fais tout ce que tu dis là, ma soeur, et avec, change de disque. Change de disque. Tu vois que tu aurais pu être ma tante. Hein? Tu vois même que tu aurais pu être ma tante, occuper la place de ma tante sur mes tas. Mais comme toi, tu veux croire que tu es arrivé quelque part
Et toi, tu veux croire que tu peux dicter ta conduite aux gens? Je ne peux pas te donner le titre de ma tante. Parce que ma tante s'appelle Rose. Tu n'as pas menti. Hein? C'est bien vrai. Mais tu ne peux pas l'être. Tu ne peux pas la représenter sur mes tables, à mon endroit. Donc, ça changera quoi? Tu ne mérites pas. Tu n'as pas les qualités à être ma tante, ma. Tu n'as pas les qualités à être ma tante. Tu n'as pas ces qualités-là. Tu ne peux pas être ma tante. Elle s'appelle vraiment Rose. Douce, gentille, travailleuse, femme au grand cœur, pas aigrie. Quand tu, ce que tu veux faire là, comment vous dites que vous procédez tous de la même manière? Vous allez dire que non, je suis différente de telle. Je ne suis pas pareil. Je suis différente de telle. Tu sais ce que tu es en train de faire là? Si je te dis alors que, si je vais te dire que je devais t'associer, si je vais t'associer à une personne, tu vas te fâcher. Et si je te donne la raison, tu vas dire que wow, la même chose que tu es en train de faire là. En train d'appeler les abeilles, aux abeilles que oh, la putière utilise maman Anna pour vous avoir, pour vous endormir. C'est la même chose que. Quand j'ai décidé d'être électron libre et que je me suis retrouvée seule, c'est la même chose que la reine Mère Pio avait dit que wow, elle est là sur la toile pour chercher les abonnés, des vues et l'argent. C'est la même chose. Vous pensez que vous allez écraser les autres pour être bien vu. Mais les personnes qui ont le cœur d'amour et qui savent aimer, personne ne va me détester sur Meta, ma chérie. Vous ne pouvez pas éteindre mon étoile sur Meta. Tu es petite. Donc tu vois que tu fais la même chose. Et hier encore, tu as fait la même chose que Nancy Mpoum a fait. En disant que tu es en train de sensibiliser, tu prends le nom d'un dolo, tu commences à faire ton direct avec en disant que tu sensibilises. Donc ça veut dire que tu es aussi aigri, que tu es aussi mauvaise. Tu es remplie d'une méchanceté, d'une jalousie en toi que tu veux cacher, tu caches ta vraie personnalité. Hein, Marc La Rose. Et t'appelle papa des petits noms, prononce ton nom. Il n'y a pas besoin de ça. Tu caches ta personnalité. Tu caches ce qui tu es. Pourquoi tu as besoin de faire comme les autres pour parler? Aujourd'hui, tu sensibilises. C'est la même sensibilisation là qu'on était venu reprocher à Nancy. Dans ta sensibilisation, tu as dénigré, tu as rabaissé. C'est la même chose que tu es en train de faire, que tu as pris, que tu es venu avec. On sensibilise. Et dans la même lancée, tu viens dire que les abeilles, la but, si sa mère c'est elle, sa tante c'est elle, qu'est-ce que ça peut faire? Je ne peux jamais régner ma famille au profit de quelqu'un d'autre. Mais ça, mais alors, maman, comme tu dis, Mazaria, beaucoup se vantent d'être l'enfant de Trump. Il faut les laisser. Ils vont seulement boire suicidaire sur Meta. Je vais aller voir le jour où Mafo va se lever et dire que bla petit, je te méconnais. Tout ce qu'il cherche est cogneuse de tête. C'est tout. Est-ce que moi j'ai ça? C'est des cogneuses de tête. Elle veut, c'est-à-dire, comme elle dit, je suis la belle sœur. Si tu veux être bien avec les abeilles, tu dois me respecter comme respecte les gens qui se respectent, ma. Je ne peux pas te respecter, moi. Je ne peux plus te respecter. Parce que aujourd'hui, tu montres ton vrai visage. Tu montres que tu n'es pas différente de Nancy. Tu montres la femme exacte qui est toi-même, ta personne, que tu caches, que tu masques sur la toile. Ok?
que tu as envie de descendre des gens pour exister. Tu veux te donner genre. Mais tu ne peux pas. Pas devant moi en tout cas. Parce que de près ou de loin, il n'y a pas photo, il n'y a pas match. Je te dis la vérité. Il n'y a pas match. Ok? Ok? Alors, mettez les cœurs. Quand tu fais tes directs, tu vois des personnes, des gens qui montent, qui viennent là, qui te... Tu vois un peu le monde, ça vous monte pas la tête. Girl, j'étais chauffeur. Maman, toi, tu peux conduire une star comme je conduisais. Est-ce que tu peux conduire une star comme moi je conduisais? J'ai conduit une grande star. Oui, ma chérie, j'ai conduit une vraie star. Pas n'importe qui. Pas n'importe qui sur mes tas. Et vous avez mal où? Donc quand les gens vont m'insulter, toi tu vas venir te positionner là, m'insulter, ma. Ouais, Marc la Rose. Je refuse d'entrer en clash avec toi. J'ai pas envie. J'ai clashé avec toi une fois. Et ça a été un bon souvenir. C'est resté gravé dans ta mémoire. Tu connais. Peut-être c'est aujourd'hui. Comme tu dis que si je m'assois sur des gens là, est-ce qu'elles peuvent? Tu ne peux pas t'asseoir sur moi ou sur nous. Tu ne pourras pas t'en sortir. Je te dis la vérité. Je ne veux pas entrer en clash avec toi. Parce que c'est que Catherine va s'occuper de toi propre. Ce sera sans vaseline. Ok? Et voilà. Mais si j'ai à te dire, je te dis. Ma fille va faire son boulot propre. Donc, de quoi parles-tu? De quoi parles-tu? Est-ce que tu peux m'impressionner? Tu peux apporter quoi comme plus dans ma vie? Rien. Genre, tu te fais genre... Je t'ai dit que le mariage finit, mais la famille ne finit pas. Tu as compris ce que je veux dire? Tu n'es qu'une belle sœur, hein? Tu n'as qu'un titre de BS, mais j'ai un titre d'enfant. L'enfant de quelqu'un, c'est son enfant. Tu as compris, non? L'enfant de quelqu'un, c'est son enfant. Tu vas souffrir seulement. Tu vas seulement accepter et souffrir avec. Est-ce qu'elle peut, elle connaît même? Elle peut cacher. Non, c'est son vrai, c'est son, c'est-à-dire que c'est sa vraie personnalité qui sort. Tu as payé 1000 euros pour être fabriqué, c'est pas moi. Tu ne peux pas me fabriquer. Je t'ai déjà dit ça. Tu ne peux pas me fabriquer. Et j'aurais tant aimé payer les 1000 euros là pour être fabriqué de la plus belle des manières. Mais tu ne peux pas me fabriquer. Vous allez seulement on dit là. Sur ce que vous dites là, c'est ça. Et ça va rester comme ça. Rien. Ce que vous dites là, c'est ça. J'ai payé pour être fabriqué, ça n'a pas pris. C'est ça là qui est vrai. Oh, les flics là aussi. En vrai, j'ai payé pour être fabriqué. J'avais payé bien même. J'ai versé beaucoup d'argent comme ça. J'ai mis dans une grosse enveloppe. Je te raconte alors l'histoire. Tu as compris, non? Je vais te raconter alors l'histoire des 1000 euros. L'histoire des 1000 euros, là. J'étais assise comme ça. J'avais trop d'argent, ça me dérangeait. J'avais beaucoup d'argent comme ça, ça me dérangeait. J'ai dit que, oh, quand je vais même voir Tata Lolo, dis donc. Ça me sert à quoi? Ça sert à quoi? Quand tu as l'argent comme ça, ça t'étouffe. Et que dis donc? Ouais, Seigneur, Dama, vous allez lire là. Maman, tu parles de moi. Tu parles de moi. Ne t'inquiète.
tu parles de moi. Donc ça veut dire que je suis plus que toi. Oh. Et je te dis encore que tu n'es que la belle-sœur. Moi, je suis l'enfant de la maison. On n'est pas pareil. C'est deux mondes différents. Toi, là, le jour, le gars a marre. Il te vit. Et que dis donc? Je suis fatiguée de tes grosses lasses là, dis donc. Je veux une skinny. Te balance à côté et puis prends une petite belle fille là. Et elle devient ma belle soeur. Tu veux qu'on te respecte? Tu oses dire que quoi? Que pour que ma femme fasse quoi? Pour que les abeilles, qu'il faut qu'on te respecte. Mais tu n'es pas respectée. Hein? Tu n'es pas respectée. Hein? Tu n'es plus à respecter. Tu étais. Je te respectais. Mais tu n'es plus à respecter. Ok? Voilà. Donc tu n'as pas d'ordre à donner à quelqu'un sur Meta. Tu ne peux pas dicter des gens. Les gens qui m'aiment ont déjà fait le choix de m'aimer. Ce n'est pas tes petits mots que tu as sortis là qui viendront faire que ils vont changer leur cœur. Et s'ils changent leur cœur, ça veut tout simplement dire que et ils ne m'appréciaient pas pour de vrai, c'est tout. Basta. Ainsi va la vie et la vie continue. Ainsi va la vie et la vie continue. Peut-être que si je vais te fabriquer, tu as compris avec quoi? La vraie, pas les fabrications bancales. Il y a trop de choses. D'accord? Tu ne peux pas me fabriquer, toi. Tu ne peux pas me fabriquer. On me connaît déjà sur Meta. On sait déjà qui je suis. Ce n'est pas comme si Black Beauty est noviste. Ce n'est pas comme si quand on dit Black Beauty sur Meta, on ne sait pas de qui on parle. On sait de qui on parle. Donc, c'est dommage. Il fallait dire ça au départ. Quand je venais d'arriver sur Meta, fallait dire que mince, l'Angassi me cherche même parce qu'elle veut que je la fabrique. Je ne la fabrique pas. Comme si tu peux fabriquer un être humain. Adama. D'abord, tu vas te baser sur quoi pour fabriquer quelqu'un mal? Tu fais quoi d'extraordinaire qui peut être, qui peut faire que je t'admire au point où moi j'aurais envie que tu fasses quelque chose pour moi? Qu'est-ce que tu fais? Tu es au même pied d'égalité que moi. De la manière que tu dis que on gratte la stamania, c'est comme ça, alors que tu grattes ça jusqu'à ce que... Peut-être toi alors encore, Adama. Ta manière de gratter la stamania, là, ma soeur, lève un peu la tête, donne un peu de fierté, ok? Voilà. Donne-toi un peu de fierté. Ah, moi je te parle, je vais pas t'insulter, hein. J'ai pas besoin de ça, hein. Donne-toi un tout petit peu de fierté comme ça. Voilà. De toi à moi qui passe le temps à chanter, à faire des éloges, des coubettes, c'est pas Black Beauty, hein. Quand je dis juste que je suis la fille de maman Anna, vous voulez mourir, ça vous fait mal, ça pique. Tu vas enlever ça, hein? Tu vas supprimer ça, hein? C'est déjà parti mon slogan, c'est déjà lancé mon concept. C'est déjà lancé. Je suis la belle sœur. Tu connais pas les dangers de la belle famille? Tu connais pas? Ah, Jesus, Seigneur, Sonia. Sonia! Aïe, aïe, aïe. Le Black Satan.
Tu vas avoir le Satan là devant tes yeux. Tout ce que tu souhaites là, c'est toi qui vas vivre ça, maman. Moi, je te dis ça. Hein? Toi, tu vas vivre tout ça. Voilà. Toi, tu vas vivre tout ça. Je ne me ferai jamais le plaisir d'aller chercher les informations sur ta vie ou sur ta famille. Tu sais pourquoi? Parce que ça ne m'intéresse pas. Parce que qui tu es ou qui tu étais ou ce que tu es ou ce qui est de la famille ne m'intéresse pas. Je prends que ce reste que sur mes terres. J'utilise que ce que je vois en toi sur mes terres et puis je fais avec. Donc, tu te dévoiles toute seule. Et on va te pousser jusqu'à... Tu n'as pas confiance. Aïe, aïe, aïe. Le trio là, non, le groupe là. On va te pousser jusqu'à... Et moi, je suis la plus douce. Je suis calme. Je ne suis pas dans les gnognottes. Je suis douce, je suis calme. Je n'ai pas besoin de te clasher. Je n'ai pas besoin de te clasher, moi. Mais tu es en retard de savoir que ma maman s'appelait Anaï. Parce que j'avais déjà dit ça. Vous croyez que vous suivez les directs, vous suivez ce qui vous arrange. Tu es en retard, hein? Jalouse, tu es une rose jalouse, très jalouse, remplie d'envie. Alors que ma rose à moi, ma tante, c'est une femme très douce, très free, tu vois, qui s'attarde pas sur les futilités, qui s'est aidée, qui s'est donnée. Et toi là, ou qui t'a donné le petit pouvoir là sur Meta, ou tu crois que tu es déjà toi arrivé, ma? Hey, Seigneur, Adama. Tu crois toi que tu es arrivé jusqu'à... Parce que quand tu parles, tu vois un peu des gens qui écoutent tes balivernes là. Tu crois que oh, tu es une personne. Donc tu penses que tu peux t'asseoir aujourd'hui, tu dis aux gens que... Allez faire ça sur la Black Beauty. Ils vont se lever, ils vont aller faire. Toi. Si tu es une femme, lève-toi. Dis à tes followers que allez vous désabonner sur la page de la Black Beauty massivement. Je vois comment je vais tomber à 5000 abonnés. Si je tombe à 5000 abonnés là, je quitte Facebook. Bonjour maman Sylvie Ténière. Je dis toi Marc La Rose, comme tu veux montrer que tu es arrivé, que tu peux parler, les gens t'écoutent. Dis à tes followers que désabonnez-vous sur la page de la Black Beauty. Je tombe à 5000 abonnés. Je veux voir ta puissance, ta force de frappe sur Meta. J'ai envie de voir ta force de frappe sur Meta. Là, je vais te respecter. Maman Sylvie Ténière, comment vas-tu? La madre des madres. Donc, tu me racontes quoi? J'ai dit 5000, je me tombe à 5000 abonnés. Je te donnerai le chapeau, je vais te couronner. Que tu es quelqu'une, que tu as quelque chose dont tu peux impacter, tu peux dire, tu peux influencer la pensée des gens. Je t'ai dit que merci pour la publicité, mais je ne ferai pas ta pub. Parce que tu es une rose
mauvaise, une rose extrêmement jalouse, une rose qui montre son vrai visage, une rose qui fait semblant, mais au fond de toi là, tu es haineuse. Tu n'es pas différente de Nancy Poum Poum. Nancy Poum Poum, celle qu'on dit que va défendre ta fille, c'est le live de Black Beauty qu'elle prend pour s'asseoir dessus. Une gazeuse à outrance. Vous faites à qui même? Vous êtes tellement, vous êtes petite dans vos têtes. Tu ne pourrais pas changer de procédé? Que je sensibilise. C'est juste que tu as venu sensibiliser en utilisant le nom de Ndolo Moulema pour sensibiliser avec. C'est aujourd'hui? Ouais, c'est où n'y a? Oh, Black Beauty, c'est elle qui a envenimé la situation. Je vais encore envenimer ça plus proche, proche. Je vais bien les pousser. Je vais encore bien envenimer ça. Oui. Je vais nourrir ça encore. Et vous n'allez rien faire. À part bavarder. Vous allez faire quoi? Quelqu'un peut me voir, il me touche. Quelqu'un peut me toucher. T'es vous blaguer. Mais c'est Black Beauty. C'est moi-même, la digne fille de sa mère. T'es malade. On s'aide à vos conneries. Votre manipulation à deux balles là, c'est fini. Les petites pleurnichates. Les pleureuses. Pleureuse. Et on a fait que, on a attaqué que, on a dit que, mais tu ne vois pas quand tu souhaites la mort à une personne. Je vais allumer le feu là, comme ça là, ça va s'embraser. Jusqu'à, tant que je ne vois pas, ça fait pou pou pou, je ne reste pas tranquille. Oui, je vais entretenir la flamme là. Le Satan là, non, tu vas voir le Satan devant toi. Voilà. Bonjour Josiane, bonjour. Voilà, elle vient me dire bonjour la fille de maman Anna. Tu as fait ton boucan, ça a changé quoi? Ça a changé que je sois la fille de maman Anna. Je suis la fille de maman Anna. C'est ma mère que j'ai choisi sur Meta. Choisissez votre maman, vos mamans sur Meta, on voit. Choisissez vos mamans sur Meta, on voit. Que notre grand-mère, notre maman Anna d'amour, une langue. Choisissez votre mère, se mettez à en voir vos mamans. Elles sont versées là. Hein? Elles attendent que ça. Il a fallu que Black Beauty vienne vanter son amour pour sa matière. Wow, wow, wow. Ça devient que oh, elle cherche les vues, elle veut les abonnés, elle veut gagner le cœur des abeilles. Elle a utilisé cette stratégie. Tu vois 10 000 abeilles dans mes directs, ma. Tu les vois là, là, je suis en live. Tu les vois versées là-dedans. Ou avant ça, tu les voyais trop, trop versés dans mes directs. Hein? C'est mes copines. Ma copine FP Mafoshu. Depuis la nuit des temps des clashs que je suis arrivée sur Meta, FP Mafoshu et moi, on se charrie. On se coche. Après, on dit que j'avais, c'est la seule de tous les abeilles qui m'a toujours lavé sur Meta. J'ai dit que toi, je ne te bloquerai jamais sur ma page. Si elle est là, elle va vous dire. Ouais, Josiane est jaloux au lac. Elles sont jalouses. Mais c'est dommage. Hein? Tant pis pour elles. Hein? Si elles n'ont pas su rester dans la famille. Hein? Si elles ont préféré être les belles sœurs que demain on peut botter leurs fesses. On botte le cul comme ça, là, et puis on les dit, foutez la paix. Vous venez emmerder le monde ici, on les met à côté, puis on reprend les skinini. C'est leur problème. Il y a quoi? Moi, je suis dedans à vie. Tu sais comment ma grande soeur m'appelle? La fille de maman Anna. Ma grande soeur m'appelle la fille de maman Anna.
C'est comme ça qu'elle m'appelle. Quand elle me voit, elle dit la fille de Maman Anna. Elle ne dit pas que la fille de l'autre Maman Anna. Non. Parce que si aujourd'hui là, de la manière que je prends Mamie Anna, Maman Anna, je mets dans mon cœur, c'est de la même manière qu'aujourd'hui, elle sait qu'elle a deux mamans. D'accord? Tu comprends? Voilà. C'est de la même manière qu'aujourd'hui là, si je l'appelle, je dis que ta maman est malade là-bas à Limbe, ça ne va pas. Elle va dire que ouais, tu veux quoi? Tu as besoin de quelque chose. C'est comme ça. Apprenez à aimer des gens en vrai. Apprenez à vous tenir la main. Apprenez à donner sincèrement l'amour aux gens. D'accord? Je dis que si aujourd'hui là, j'appelle ma foi, je dis que ma foi, maman Anna a besoin de telle chose à Limbe. Je suis coincée. Elle ne va pas dire que non. D'accord? Arrêtez vos conneries. Vous voulez salir qui? On salit ce qui est propre. Salit pas ce qui est propre. Mon papounet, c'est pas mes sangs. Monsieur propre. Tout comme ses enfants. Je suis ses pas. C'est ça. Et ça ne chauffe pas. Tu peux déstabiliser qui, wesh? Tu peux empêcher qui de m'aimer? Moi, je suis le Lomania et je te supporte bien. Donc, il n'y a pas seulement les abeilles sur ta page. Oui, ma Josiane, je sais, chérie. Je sais, non, parce qu'elle s'est adressée aux abeilles en disant que moi, je suis venue dire que je suis la fille de Maman Anna parce que je veux que les abeilles viennent sur ma page et que les abeilles me suivent, s'abonnent sur ma page. Donc, je fais ça pour gagner l'amour des abeilles. D'accord? Que ma propre mère s'appelle Anna et que ma tante s'appelle Rose. Tu comprends? C'est pour ça que je lui ai dit que elle est en retard parce que j'avais déjà éclairci cette affaire. Et que si elle était vraiment la Rose dont elle parle, elle aurait pu être ma tante. Mais elle n'a pas les qualités, les capacités à être ma tante. Elle ne mérite pas. Et c'est pour ça que je lui dis que je m'adressais spécialement aux abeilles, au fait. Et je lui fais comprendre que ma mère... Donc aujourd'hui, la ma foi, c'est qu'elle a deux mères. C'est comme ça et pas autrement. Et je vais te dire pour ta gouvernement, faussait ça depuis la nuit des temps. Tu as compris avec quoi? Depuis la nuit des temps, elle sait. Elle sait l'existence de ma propre mère, elle connaît le nom de ma propre mère. Donc ce n'est pas nouveau. Tu comprends, non? Voilà. Ok? Donc voilà. Ce n'est pas comme si ce que tu dis là, c'est nouveau. Non. C'est du réchauffé. C'est du réchauffé. Si vous êtes jalouse, c'est votre problème. J'ai dit que le mariage finit, mais l'enfant ne finit pas. Coucou, ma tata Matt, étiquette, tata Matt, la fille de Maman Anna a célébré l'anniversaire de sa grande soeur tout à l'heure. Sa grande soeur Chou. Donc, comme je disais là, que si aujourd'hui j'appelle ma faute, dis que ma faute, ta maman, ta mère à Limbe, ça ne va pas, ta mère a tel besoin. Elle va dire que, ok, tu as besoin de moi, tu as besoin qu'elle fasse quoi? C'est notre cœur. C'est comme ça que nous sommes. Les enfants de Maman Anna, nous sommes comme ça. On a ce cœur-là. On sait prendre soin des gens. On sait donner. On n'est pas dans la jalousie. Bon début de semaine à toi, maman, la squatteuse des panels. Aïe, maman, le nom, là, non. La squatteuse des panels, Adama. C'est trop fort. Maman, depuis 8h, depuis 8h. 7h, disent que je suis sortie. Regardez, il est 9h. Je suis encore en course. Aïe, maman. Donc, moi, j'ai trop de mères. Nous avons des belles mamans autour de nous. Oui, ma fille Catherine, je suis moi entourée des belles mamans, des grandes soeurs valables. Et tu as dit que tu ne peux pas être ma tante. Tu aurais pu être ma tante parce que tu t'appelles Rose. Mais comme tu es aigrie, tu montres ton mauvais côté, là, ça sort. Maintenant, tu te comportes comme Nancy. Tu viens dire que tu fais la sensibilisation, tu prends le nom de Ndolo. Après, tu viens dire aux abeilles que non, Black Beauty, là, hein, sa propre mère, tu me dis que c'est une petite partie. Ma chérie, sort tout. Mais vous faites comme si quand des gens viennent sur mes tailles, ils se cachent où ils sont. Sort
tout. Sors tout. Il faut tout verser. Ne regarde pas l'autre. Tout ce que tu as sur moi, verse. Et comme ça, on quitte ici. Là. Si c'est vrai, venez dire que c'est vrai. Si c'est faux, je viendrai te dire que c'est faux. Et je vais encore bien arranger. Je vais encore bien acter ça. Voilà. Je vais bien acter ça là. Oh, je vais aller là-bas. Si je veux faire vite là, je vais casser le truc là. Je vais bien arranger ça. Bonjour. Ah, voilà, voilà encore. Voilà. Mais vraiment. Mais vous ne pouvez pas comprendre que nous sommes des enfants bénis de la toile. Voilà maman Jeanne Marceline, ma mère sous une styliste de renommée. Nous sommes bénis avec des mamans de valeur, pas les mamans tchavoum. Coucou. Oh, merci, ça va plus. Ma beauté bio, c'est comment? Ça va? Ça va un peu toi. La façon que tu es là, j'aime pas, hein? Beauté bio. Ah ah, non, après. Merci. Merci, beauté bio. Bio de bio. Ouais, ma directrice. C'est notre. Tu vois comment elle est petite, la directrice. Elle fait partie. Non, oui. Elle est de la RH. Ma chérie, je suis arrivée en retard. C'est pas de ma faute, hein. C'est les transports, hein. La route est saturée, hein. Donc, j'étais en train de vous dire que il n'y a rien en face. Il faut encore tout sortir. Ce qu'on t'a donné là, soit encore d'autres éléments. Parce que ce n'est que pour ma mère, la mère. Une belle femme. Travailleuse. Trop belle. Claude Aka m'avait publié, non? Tu n'avais pas vu la photo, ma. Quand Claude Aka m'avait publié, tu n'as pas vu la photo. Ah ça, moi je suis pas comme elle, j'ai pas besoin, mais c'est pour leur dire que personne ne peut changer le destin de la Black Beauty. C'est comme ça et pas autrement. Voilà maman Jeanne Marceline, une femme classe, charismatique. Tu la vois debout, tu dis waouh. Elle veille sur nous. Elle veille sur nous. Elles sont là pour nous. Elles nous disent que quand on veut des gamins, elles disent que maintenant mes filles, arrêtez, on écoute. Elles disent que mes filles, ça là on ne veut pas. Elles nous protègent. Ce ne sont pas des mamans, c'est toujours nos mamans. Toute femme et maman. Là, il faut laisser celle-là là-bas. Elle a allé dire aux abeilles, elle a fait un direct, elle dit que j'utilise maman Anna pour gagner la sympathie des abeilles. Elle fait la même chose que la reine Mébio avait dit, que Black Beauty est venue sur la place chercher les étoiles, les abonnés et des vues. Que j'utilise maman Anna pour gagner la sympathie des abeilles. Que ma propre mère s'appelle maman Anna, donc les abeilles là qui prennent note de ce qu'elle est en train de dire, elle dit que n'importe quoi. Merci pour la publicité, j'avais déjà dit ça. Prudence, bonjour. J'avais déjà dit ça quand je framponnais ton ex-président et que ça, ma tante s'appelle Rose. Ça lui dit qu'elle n'est même pas, elle n'a même pas les qualités à être ma tante, parce que j'aurais pu faire d'elle ma tante Sumeta. Mais là, c'est une tante jalouse et bavarde et hypocrite, hypo comme ça. Je n'en ai rien à foutre. Genre, elle est la BS. Je lui dis alors que le mariage finit, mais la famille ne finit pas. Parce que demain, on va te virer du mariage là. On va aller chercher une skinny. Et moi, je serai toujours la fille de maman Anna. Elle utilise normal, elle pour lécher, elle lèche les pieds de la main parce qu'elle voit ça. Elle dit qu'elle lèche.
Mais d'après elle, c'est, au fait, elle voulait faire comme si moi j'ai caché aux gens que ma mère s'appelle maman Anne Adon. Ma mère s'appelle Anne. Mais j'avais déjà éclairci ça dans le direct. Dans un direct. Et j'ai dit que toutes les mamans qui s'appellent Anna sont mes mamans. Et je choisis mamie Anna sur la table comme ma mère. Est-ce que je me cache pour dire ça à qui que ce soit? Donc du coup, elle utilise sa genre pour me clasher. Pour dire aux abeilles que ne partez plus la soutenir, quoi. Comme si elle est quelqu'un, elle peut dire quelque chose à quelqu'un, la personne écoute. Je t'ai mis au défi. Demande aux abeilles de se désabonner de ma page et que je tombe à 5000 abonnés. Je ferme mon compte sur Meta. Moi, mes défis sont que sur place, je ferme ma page et je quitte Meta définitivement. Et on n'en parle plus. Demande-leur de faire ça. Si tu as une si tu as comme ça, je vais voir, je saurai que tu peux parler, les gens t'écoutent. Ok, mes amis, moi, je vais partir, je suis arrivée sur un retard. Il faut que j'aille. Je saurai que tu peux parler, les gens vont t'écouter. Bonjour, Kameko. Bon matin, Kameko. Comme ça, je saurai que tu peux parler aux gens, on écoute. Mais si tu ne fais pas ça, ma, ouais, c'est que vraiment, vraiment non, le mariage là non, c'est nul. Donc ton mariage là est nul, parce que quand même, quand on est même belle-sœur dans une famille, et il faut savoir, tu peux avoir la place de belle-sœur, mais si tu n'es pas intéressée, mais si tu es une belle-sœur intéressée, ça va pas aller. Hein. Et je pense que ton statut de belle-sœur là, c'est être intéressée. Hein. Oh, moi je m'en vais. Ah, c'est mon bébé qui m'appelle. Je suis en direct. Ok. Je suis en direct. Oui, chérie. Bonjour, bébé. Je suis en live. Je suis en live. Hein? Elle fait quoi? Comment ça? C'est pas vrai. J'ai une urgence à plus tard. Je vous aime, bisous.